Aïe. Désolée, la naine. Je t'avais pas vue. Ah, Stéphanie, je suis déçue. Je pensais que ton niveau de blague était meilleur que ton niveau intellectuel, mais bon, apparemment... Tu m'étonnes, ça devait être chiant. Émilie, regarde. Waouh, trop bien fait. Sérieux? Je sais pas comment tu fais pour être insensible à toutes leurs moqueries et leurs remarques. Ils sont lourds. Tu sais, moi j'ai aucun problème. Hein. Je suis petite et alors, qu'est-ce que ça fait? On est tous différents. Franchement, je m'en fous. C'est eux qui ont un problème d'infériorité. Ils sont tellement inférieurs qu'ils ont besoin de rabaisser des gens pour se sentir supérieurs. Alors franchement, c'est pas moi qui ai un problème. Tout ce que je fais, c'est juste que je les écoute pas. Je leur réponds comme ça les énerve. Et puis bah, tant pis. Hein. Ouais, t'as sûrement raison, mais en tout cas, moi j'y arrive pas. Je dois te laisser, je vais en cours. A plus. Franchement, il est pas mal. Au moins, on sait qu'il est à moi, ce casier. Non, je ne reviendrai pas. Jimmy, retourne à l'école avant de rigoler comme un beuda à tes blagues. Parce que une faute dans un mot de 5 lettres, franchement, chapeau. Vas-y, bouffon. Comme tu dis, oui. Bouffon. Sérieux, il écrit quoi, mec? Bouffon. Hé, hey, le Hobbit! Oui, Chewbacca. Et regardez, ça chauffe là-bas. Ça t'aurait pas dû. Vas-y, Jess, défonce-la! Encore les paroles, je dis rien. Par contre, les coups, je vais pas me laisser faire. Je suis désolée. J'aime pas faire ça, mais je vais pas me laisser faire. Désolée, tout le monde. Émilie, je voulais m'excuser. Nous aussi. Je pense que nous voulons tous nous excuser. On a vraiment été cons. Et on est vraiment désolés de t'avoir intimidée. Je pense que nous n'allons pas tout de même devenir meilleures amies. Car je n'oublie pas tout ça, mais je ne peux pas vous en vouloir. Vous étiez juste suiveur d'une personne très débile. Et bien sûr, je ne vous en veux pas. Même si je n'oublie pas tout ça, bien sûr. Mais je pense qu'on fait tous des erreurs. Et le principal, c'est que vous les reconnaissiez et que vous ne recommenciez jamais cela sur une personne. Moi, cela ne m'a pas affectée, mais une personne plus faible aurait pu très mal le prendre et ça aurait pu très mal finir. Il y a tellement d'histoires qui finissent mal par des suicides ou de la mutilation. Non mais attendez, vous pouvez pas y aller quoi. T'inquiète, moi je suis là et je te lâcherai pas. Ferme-la, en plus c'est de ta faute tout ça. Juste un dernier truc, ta couronne elle est dégueulasse. Ok. Faut se calmer, hein. Sinon, ça vous dit un domac? Oh ouais, trop, je suis partant. Ah ouais, moi aussi.